Vous connaissez probablement la vidéo qu'on avait faite pour c'est à la base le contenu d'un meet-up février 2019 qui avait été réécrit en partie en juin 2019, qui a été filmé et qui est présent sur la chaîne bitcoin.fr, où le thème c'était bull bear market, comment être du bon côté de la tendance. Et en février 2019, on était avant le début de la tendance haussière du Bitcoin. On va montrer peut-être un chart. Mais en juin 2019, là, j'avais fait une update, j'avais un peu amélioré la présentation. Et là, en juin, on actait que c'est probablement dans un nouveau marché haussier, pendant de bon à être haussière. Et on baissière derrière nous. Il y a quelqu'un qui ouvre un micro, je pense que ça ne va pas être très agréable. Et de voir le comptable. Je ne sais pas qui c'est. Alors je vais essayer de te muter. Là, on ne voit pas l'écran, mais moi je peux le mettre, mais apparemment si je mets un écran, on va limiter le nombre de personnes. Alors, moi je vais bien montrer, mais si ça va cliquer pas mal de gens, on va être sorti. Donc en effet, c'est un peu plus simple graphiquement. Il y a une solution, mais qui n'est pas... Oui. La solution, mais qui n'est pas la plus confortable, c'est de mettre alors à ce moment image dans Meetup Question, mais c'est évidemment beaucoup moins interactif que le stream. Je propose de faire de faire oralement, c'est pas trop un problème. Parce qu'on a globalement en tête un peu le marché, ce qui s'est passé. Pas tout le monde ne connaît pas l'explique exactement. Mais, on me dit peut-être d'essayer, au pire, on verra. Sinon, moi, j'aurais bien voulu montrer d'autres choses et des choses qui ont été montrées plus rarement, la performance des altcoins. Et pour ça, ça aurait été bien de montrer en effet des images où je partage mon écran, du moins, qui étaient filmées, qui faisaient état que on avait probablement, c'était très naissant, la fin du marché baissier qui nous avait occupé pendant 2018, toute l'année 2018. Un peu de 2019. Et on avait eu une cassure et qui lançait probablement un renversement tendant. Et on sait que le marché, déjà de ce qui est spéculatif de base, est basé sur des tendances fortes. En plus, à partir du moment où c'est très spéculatif et une matière première, et ça je vais revenir là-dessus, encore doublement plus en tendance. Je m'explique, et surtout pour le Bitcoin. Comme on sait que c'est une commodité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice ou de risque de faillite. C'est le cas dans les actions. Quand on achète une action, on est toujours, on n'est jamais à l'abri d'avoir un risque de faillite sur l'action et également des phénomènes de surprise parfois annoncés par les résultats des actions. Donc c'est ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, il peut être positif, c'est des bénéfices. Il peut être négatif, il englobe, il brûle du réserve de trésorerie de l'entreprise. Et à un moment donné, elle peut tomber en faillite. Pour ce qui est de la matière, dans la question si tout est OK, pour ce qui est des matières premières, on n'a évidemment pas de cash flow. L'or ou le pétrole ou le bitcoin, le blé, en détenir ne va pas vous produire soit des bénéfices ou manger votre capital. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une commodité. Dans les matières premières, on est basé très fortement sur uniquement l'appétit des investisseurs du marché, plus communément des spéculateurs du marché. Et donc déjà dans un marché donc de matières premières, on est déjà plus à même d'avoir des variations de prix. Et quand en plus une matière première dont l'usage n'est même pas encore certain est projeté, un peu ce qui se passe avec le Bitcoin, on a encore plus
volatilité. Parce que, à certains moments, c'est un peu bipolaire, voire schizophrénique. À certains moments, c'est vu comme une révolution et tout le monde en veut. Et puis, à un moment donné, tout le monde n'en veut plus. C'est un peu schizophrénique. Donc, on a ces phénomènes de tendance qui sont très fortement marqués dans ce type de marché. C'est pour ça que moi, j'en ai parlé et reparlé, ça fait plusieurs années, il y a 3 ans, il y a 3 ans quasiment jour pour jour. J'avais fait aussi une présentation et l'Aster en live sur le fonctionnement des marchés. Et j'avais parlé déjà de ces fonctionnements de tendance, c'est-à-dire appétit des investisseurs qui rentrent et puis qui, à un moment donné, veulent désinvestir. Je pense que à ce moment-là, que la tendance s'est renversée. Donc, le 1er avril, quand on est sorti de cette fluctuation, de cette consolidation de prix entre 4000 et 3000 dollars, et on a pu s'échapper de cette consolidation par le haut, et c'est ce qui a lancé finalement une tendance. Alors, j'avais fait un graphique sur... on va utiliser des matériels Twitter que j'ai produits. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est que si on enlève le crash Covid, qui est une réaction un peu épidermique, qu'on pourrait presque gommer. Je vais essayer de trouver le graphique en question. Graphique. On gomme le crash Covid ici, qui est derrière le carré blanc. Voir en effet qu'on a eu une tendance baissière qui s'est auto-entretenue en 2018, une consolidation fin 2019, une cassure à la hausse. Si on gomme donc cette partie du crash, on voit que finalement, bah, la tendance n'a jamais vraiment été mise à mal. Elle se comprimait en dessous d'une résistance. Alors ça, c'est un élément technique du marché. Simple, c'est les horizontales. Et on avait buté à plusieurs reprises sur les 10 500, qui était un niveau majeur à franchir. À partir du moment où on franchissait ce niveau, il y a des chances qu'il y ait assez de momentum dynamique pour déjà rapidement un plus haut de 2019, qui était les 14 000. Si on le challengeait et qu'on le passait, à ce moment-là, on marquait vraiment un haut historique qui allait nous propulser au-delà de 14 000 et qui est, comme vous le savez, ça nous a occupé tout les 2 derniers mois, d'être dans des zones où le Bitcoin n'est presque jamais arrivé au-delà des 16 000 dollars. Il n'y avait eu que quelques clôtures, comptées sur les doigts des deux mains, au-dessus des 16-17 000 dollars. On arrivait déjà à essayer d'anticiper que cette tendance, qu'à preuve du contraire, continue. C'est un peu la façon dont on peut voir le marché et aborder les tendances. Et c'est pas validé, on considère qu'elle est toujours active. Et cette dynamique, on pourrait anticiper que le fait de continuer un an en dessous d'une résistance allait nous donner une sortie qui allait être à la hauteur de la longue consolidation qu'on avait occupée en dessous des 10 500. Et ça, en effet, ce qui s'est passé, on a gagné 80% en ligne droite pour aller tester les 20 000, où on s'est arrêté pendant presque 3 semaines. C'est un premier point. On peut voir que ça fonctionne comme ça fréquemment. On a eu le coup ici donc en 2014, consolidation, accumulation de la smart money, puis alors le prix se libère. Et on avait le même genre de... obstacle dans la tendance. C'était une consolidation ici de 6 mois, octobre à août, 6 mois, pardon, là on était sur presque 9 mois, consolidation en dessous de 500 dollars, puis pareil, 6 mois de consolidation, puis ça nous a mené dans un... Pourquoi une bulle? Parce qu'on dépassait les 1200 dollars, comme aujourd'hui, on dépassait un haut historique, et là c'était parti, on avait une découverte de prix. Et aujourd'hui, donc on a pareil, une baisse, tendance affirmée, accumulation qui arrête la baisse, et puis on renvoie à la hausse,
on fait un 180 degrés, et une tendance s'imprime, elle n'était pas prête de se terminer. Ça, c'est un screenshot qui était du 26 juillet. Et en effet, ben voilà, ça a continué dans la même logique. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur ce graphique, qui, je pense, est très parlant. Et les logiques sont assez simples, finalement, à aborder. Il ne faut pas chercher midi à 14h, en général. Ce qui est imprimé dans les graphiques a énormément d'informations, donne énormément d'informations. Parce que c'est là qu'on voit où les gens parient vraiment avec leur argent. Et puis alors, là, on arrive à un jour historique où on dépasse enfin les 20 000 et il y a certaines probabilités importantes que l'on découvre à nouveau le prix et qu'on fasse une multiplication du prix. Alors évidemment, rien n'est écrit et ce qui paraît toujours évident ne se produit pas. Mais là, dans la logique des choses, c'est inéluctable quasiment. Et je vais revenir pourquoi aussi. On va parler un peu des fondamentaux. Et je vais ouvrir pour ça une newsletter que j'ai écrite en septembre. Pour la newsletter 21 millions, qui est faite par Grégory Raymond. Je vais essayer de montrer. Alors moi, je participe de manière volontaire et bénévole, donc je n'y tire rien. C'est juste que je trouve que c'est une super initiative. Donc ça a été lancé en septembre, moi j'avais l'honneur de débuter la première newsletter. C'est une newsletter qui apparaît chaque semaine, de matin dans votre boîte mail. Et voilà, c'est assez modique comme abonnement, et il y a du contenu de qualité. Pour cette newsletter, cette première newsletter de septembre, j'avais posé la question, est-ce que le prix du Bitcoin est aligné avec ses fondamentaux? Alors peut-être avant de commencer avec cette partie fondamentale, je voulais savoir est-ce qu'il y a des questions liées à la tendance qu'on a vue, à des questions sur pourquoi il y a cette tendance, comme j'ai expliqué, c'était dû à des spéculations et sur l'usage même spéculatif du Bitcoin qui est du coup induit ce genre de comportement. Je regarde un peu la question. Philippe, c'est peut-être faire le relais, sur ce qu'on a vu. Il n'y a pas de question, je pense, pour l'instant. Et ben, je vais aborder donc côté donc fondamental. On était en septembre, on n'était pas loin du graphique précédemment partagé, si ce n'est qu'on avait percé au-dessus, on était aux 12 000, et on revenait du septembre à voir un peu une massue de moins 10%, on restait les fameux 10 000 points. Sur le graphique, on venait de percer, donc ça c'est le Bitcoin, on a percé le fameux niveau pivot, 10 500, puis on revenait de le tester à la baisse. À l'époque, c'était un peu est-ce qu'il faut shorter Bitcoin, est-ce qu'il faut le vendre, est-ce qu'il faut l'abandonner, est-ce que c'est trop tôt, trop tard, est-ce qu'on arrivera un jour aux 20 000, est-ce que c'est fini, est-ce que voilà, beaucoup de questions apeurées. Du coup, j'ai voulu prendre un peu de recul pour me poser et faire un peu l'état des lieux. Et jusqu'alors, moi, sur un œil technique, purement technique, je ne voyais pas encore de problème majeur. Voilà, j'agrandis ici. On avait ce niveau qui avait été plusieurs fois testé. On le perce et on va le retester. Et on voit qu'on est en chute libre à ce moment-là. On perd sur 2 000 $ d'un coup. Ça fait peur, mais techniquement, il n'y a pas de raison de croire que la tendance ici est invalidée du jour au lendemain. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas jeter la tendance qui était là depuis plus d'un an. Donc là, il n'y avait pas trop de problèmes. Et puis de se dire, c'est normal. On pourrait même retester, repercer un peu à la baisse, mais si on le réintègre, c'est très très haussier pour le reste. Ça correspond à notre vue jusque-là. Si on réintègre au-dessus des 10 000, la tendance peut continuer. Et alors du coup, je me posais la question. Et j'ai fait quelques petites recherches en différents points. Et on va s'intéresser au titre des paragraphes. Le premier titre, c'est « Le réseau n'a jamais été aussi sécurisé ».
en tenant compte du taux de hache brut, mais également du fait que, comme on sait que les machines évoluent, donc le taux de hache évolue naturellement, même si depuis un ou deux ans, il n'y a plus tellement de grosses, depuis un an et demi, il n'y a plus tellement de grosses nouvelles générations, ou s'il y en a, elles ne changent plus tellement la donne. Il y a encore beaucoup d'anciennes générations qui continuent de tourner. Et donc, je m'en étais tenu quand même au taux de hache brut, mais il y a apparemment eu de saut technologique voilà, dans le minage, et donc je pense que c'était une bonne approximation, même sur un an ou deux, ça restait encore une bonne approximation. Là, on avait plus de deux ans de taux d'âge de l'évolution, et si on se tient à un an et demi, on voit que le taux d'âge évoluait, et c'était pas nécessairement dû à des nouvelles machines. Et on remarquait qu'il y avait une certaine divergence, le taux d'âge pouvait continuer d'augmenter, et le prix, lui, était stable, voire était baissé, légèrement baissé par rapport aux 14 000. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, lors du crash 2018, fin 2018, là, on avait eu une baisse du prix. Donc ça, c'était assez catastrophique. Si on coupe le graphique et qu'on s'arrête ici, on voyait le taux d'âge baisser et le prix baisser. Donc ça, c'était corrélé. Donc corrélé à la baisse, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais malgré tout, ça avait tenu le coup, puis quelques mois après, ça repartait à la hausse. Et le taux d'âge était parti à la hausse après le prix. Le prix avait, grâce au changement de tendance, en deux mois, on avait fait 200%. Et finalement, le taux d'âge, lui, suivait, mais il n'avait jamais faibli et continué d'augmenter, alors que le prix, lui, restait stable. Donc sur ce point-là, sur le côté de minage, on va dire, on va checker la liste, on dit que c'était OK. Le fondamental minage est fort comparé au prix. Ensuite, je remarquais qu'il y avait une croissance qui était saine de l'usage depuis deux ans. Alors quand on veut faire une approximation de l'usage de la blockchain Bitcoin, on peut utiliser chez Glassnode ce qu'ils appellent des adresses actives. C'est le nombre d'adresses qui ont reçu ou envoyé un paiement sur une journée. Et si on fait la moyenne 14 jours, on avait ceci, on va démarrer à partir de 2018. Et si on prend un peu le point bas ici de 2018, on voit que finalement, on est dans une hausse nulle. Donc je veux dire, on n'avait pas. On pouvait se poser la question légitimement en septembre à 10 000 $, est-ce que c'est le moment de profiter de cette aubaine à 12 000 pour abandonner finalement l'actif et le laisser à d'autres peut-être personnes? Mais de ne pas prendre le risque si l'usage commence à péricliter, se dire peut-être que l'usage Bitcoin ne va jamais retrouver de ses plus hauts, peut-être que c'était un moment unique de pouvoir enfin vendre à un prix moyen assez bon et d'abandonner l'actif. Mais dans ce cas-ci, pour moi, l'usage était en progression constante et faisait même des plus hauts de plus de deux ans, on approchait même des plus hauts historiques qui était fait lors de la fin de la bulle 2017. Donc l'usage, de mon côté, moi, c'était très bon aussi. C'était en hausse et en hausse forte, et voire même challenger les plus hauts quand le prix était à 20 000. Donc si on fait un peu de projection, on pouvait se dire que l'usage était équivalent à fin 2017, c'est-à-dire qu'à Bitcoin 10 000 $, on avait un usage équivalent à celui d'un Bitcoin de 20 000 $. Donc là, on peut se dire qu'on est en train de checker une liste, un point qui était en notre faveur du fait que fondamentalement Bitcoin n'est certainement pas désuet et continue d'être fortement utilisé. Alors un nombre en vente diminue. Pour ça, c'est le nombre de Bitcoin en vente, on va dire que c'est un peu le nombre de Bitcoin qui sont liquidables au moment. Et quelle est la meilleure place pour liquider les bitcoins? C'est sur un échange. Sur un échange où on est prêt à, au moindre clic, de pouvoir enfin les vendre et concrétiser soit des bénéfices, soit concrétiser des pertes, mais au moins les abandonner ces bitcoins à d'autres régulateurs ou investisseurs. On remarquait que depuis le début de l'année 2020, pas anodine, assez importante, un retrait des bitcoins sur les échanges. Alors que le prix, lui,
avait par rapport au crash augmenté. Donc il y avait une divergence. Il y avait de moins en moins de Bitcoin liquide à flottant, on appelle ça aussi. C'est donc de moins en moins de Bitcoin sur échange, ce qui présageait que le Bitcoin devenait de plus en plus rare et demandé. Alors la question, c'est pourquoi ce phénomène ? Et en fait, j'avais déjà observé assez tôt au mois de mai, et je crois que j'ai fait un tweet là-dessus. Je ne suis pas certain de le retrouver tout de suite, donc je vais éviter la manipulation. Mais je l'avais déjà remarqué assez tôt. Et la question, l'idée, c'était de se dire, à mon avis, c'est la marque d'acteurs qui ont des préférences de temps plus long. Quels sont les acteurs qui ont des préférences de temps plus long ? En général, c'est des acteurs qui sont soit qui ont les poches profondes, qui sont prêts à prendre un risque et de retirer le Bitcoin des échanges et se dire, voilà, moi j'ai parié une partie de mon patrimoine et c'est une partie infime, mais je suis prêt à prendre le pari que ce sera soit zéro, soit ce sera un multiple, un décuple de ma mise. Et ces gens vont préférer retirer les Bitcoins pour les mettre en sécurité et éviter de les laisser sur un échange. Une autre signature de ça, c'est des fonds d'investissement qui profitent d'aller acheter des bitcoins là où ils sont disponibles et qui ensuite les mettent de plus en plus maintenant, c'est depuis 2019, les mettent dans des custodies. Custodies, donc des services de rétention d'actifs. C'est par exemple BlackRock fait ça, State Street, Fidelity. C'est un très gros business. Ils gardent sous séquestre de manière tierce pour des fonds d'investissement. Des milliers de milliards, voilà, c'est des trillions. Et c'est ceux que j'ai cités ont commencé, sauf BlackRock, ont commencé à offrir des services de custodie. Et donc, c'est, à mon avis, des fonds d'investissement qui suivaient des stratégies d'achat long terme, de moyen ou long terme de Bitcoin. C'était leur signature. Et c'était une bonne nouvelle pour le Bitcoin. Ça veut dire qu'il allait avoir une raréfaction de Bitcoin flottant sur les échanges et c'est en faveur du prix. Voilà. Ensuite, donc on check encore un point. Alors, là, c'est un peu par hasard, je suis tombé là-dessus et j'ai remarqué que des mineurs préfèrent accumuler que dépenser. C'était une étude qui venait d'apparaître quelques jours avant que j'écrive la newsletter sur CoinDesk Research. Et là, on remarque qu'ils ont réussi à... En fait, c'est facile de trouver les portefeuilles des mineurs. C'est des portefeuilles qui ont des bitcoins qui viennent de nulle part. On appelle ça des bitcoins créés par Coinbase transaction. Rien à voir avec l'échange Coinbase. Et donc, c'est facile de détecter ces wallets qui créent des bitcoins grâce à la récompense toutes les 10 minutes. Et puis alors, ils arrivent à tracer, je n'ai plus le détail de l'étude, mais ils arrivent à retracer quels sont les portefeuilles des mineurs. Et on remarque que 2018, donc de août 2018 à août 2019, les mineurs avaient tendance à se débarrasser de leur bitcoin. Alors évidemment, l'abscisse n'est pas de 0 à X, c'est évidemment zoomé entre 1,8 million et 1,7 million bitcoin. Et puis de 2019, ils avaient tendance à les garder sur leur wallet et de conserver le risque d'être finalement en Bitcoin. Et ils ne transféraient pas ce risque, c'est-à-dire ils ne vendaient pas les Bitcoins, et ils avaient tendance à accumuler ces Bitcoins-là. Ce qui raréfie l'offre. Si les mineurs n'offrent plus les Bitcoins nouvellement créés sur les marchés, ou en offrent moins, ben forcément, le Bitcoin devient plus rare, et présage que son prix augmente. Donc on a ce effet couplé d'échanges de Bitcoin qui quittent les échanges et les mineurs qui sont moins prompts à les vendre. Petite question, on va regarder après. Alors, un autre point occupé tout l'été et encore aujourd'hui, la haute finance s'en empare. Évidemment, donc, le premier, je pense, à être sorti du bois, c'est Paul Tudor, ou G. Tudor, qui est un investisseur, plutôt un manager de légende, légendaire, qui est avec sa perspicacité et ses fonds d'investissement. Et d'autant plus que c'est pas n'importe qui, parce que c'est
quelqu'un qui a été qui a tradé les marchés de commodités de matières premières. Donc c'est quelqu'un qui est assez au fait des monnaies métalliques, enfin, ou plutôt des métaux précieux ou du Bitcoin, quoi. Lui, il a écrit une newsletter, je l'ai lu. Il soutenait une thèse d'investissement dans Bitcoin qui n'était pas très compliquée. Pour lui, c'est le rare artefact humain qui est très rare. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il cherche là à se prémunir d'une dévaluation de la monnaie parce qu'il soutenait qu'il y allait avoir une inflation du dollar. Voilà. Donc, c'était pas très compliqué. Et il faut généralement, les thèses d'investissement sont jamais très compliquées. Ils voyaient dans le Bitcoin une opportunité ou un moyen d'investir et de se protéger d'une dévaluation possible à plusieurs années. Hein. Donc, c'est pas juste cette année ou l'an prochain. Ils voient là un cycle générationnel, peut-être, d'inflation. Alors, je vous rassure, c'est pas une inflation hyperinflation, c'est juste légèrement que le dollar deviendra un peu plus inflationniste. Pas de changement catastrophique. On avait une autre personne, George Ball, que je ne connaissais pas. J'ai pu voir à l'époque, fin août, sortir sortir à la télé, je crois. Et il faisait aveu qu'il s'était trompé sur le Bitcoin. Il reconnaissait là-dedans un actif qui était très intéressant. Et pendant longtemps, lui, il avait des critiques virulentes envers Bitcoin. Et ça peut vous faire penser au CEO de MicroStrategy, Saylor, je ne sais plus comment. Donc MicroStrategy, c'est une société cotée américaine qui ont des centaines de millions de cash en trésorerie. Et il a décidé un jour, en octobre, d'acheter pour 250 millions de dollars de Bitcoin. C'était à 9008, 10 000 dollars. Donc là, il a déjà fait il vient déjà de gagner 250 millions pour sa société. Et si vous avez un peu suivi, en 2013, il avait fait une critique très virulente sur le Bitcoin, comme quoi les gens peuvent changer d'avis et c'est d'autant plus honorable quand ils le reconnaissent. On peut poursuivre avec une enquête de Fidelity. Voilà, 774 investisseurs institutionnels, il y en a 36 qui avaient déjà effectué des investissements dans les crypto-monnaies. Alors moi, je ne le lisais pas comme ça. 36%, ça paraît beaucoup pour des personnes qui se disent que ce n'est pas encore connu des institutionnels. Non, Bitcoin, c'est très connu. Voilà. C'est déjà investi depuis longtemps par les institutionnels. Mais par contre, on peut lire avec une deuxième lecture, c'est que seulement deux tiers ne l'ont pas encore fait. Et c'est quasiment certain que tous vont y passer. Et ceux qui ne le feront pas, c'est par dogme ou par manque de réalisme. Voilà. En général, les gros fonds institutionnels doivent investir tous les marchés pour pouvoir au moins copier leur performance. C'est ce qui est en général demandé par leurs clients. Donc voilà, il y a encore énormément de potentiel de ce côté-là. Et si dans 36% des institutionnels qui l'ont déjà fait, ils ont sûrement à peine trempé un petit doigt de pied et ils sont encore très loin d'avoir accompli des objectifs. Voilà. Alors fin juillet, super nouvelle. Ça, c'était le régulateur bancaire américain fédéral qui donne un feu vert aux banques pour lancer des services. Alors, ils sont peut-être pas effectifs maintenant, ils le sont peut-être maintenant fin 2020, mais en gros, ils disent qu'ils sont d'accord de lancer, ils autorisent les banques à proposer des services où le Bitcoin est un faire des prêts. Alors, par exemple, si vous lancez un business crypto, vous n'avez pas nécessairement, vous avez sûrement beaucoup de cryptos qui sont parfois bloqués avec soit des smart contracts ou soit des contrats avec vos investisseurs, ils ne veulent pas que vous les vendiez, que vous y touchiez, ben, ce n'est pas de souci, vous demandez à la banque, ben, voilà, il me faudrait 1 million de dollars pour soutenir mon activité, ben, ils peuvent juste prouver qu'ils ont les actifs crypto et ils ont les liquidités suffisantes pour leur activité. C'est évidemment très, très, très bullish pour faire le pont, enfin, entre les activités humaines et les cryptos. Voilà. Donc là, on soutient vraiment la crypto-économie grâce à cela, au-delà de simples riches crypto-holders qui ont enfin accès à des liquidités sans devoir les vendre. Je pense que là, on tape vraiment sur un besoin majeur criant qui était là lancinant depuis des années. C'est beaucoup de startups et entreprises crypto n'avaient pas
accès à des comptes bancaires ou du fiat. Et donc, je reviens après sur MicroStrategy, j'ai déjà parlé. Moi, ce que je veux rajouter à ça, c'est que les entreprises cotées doivent garder évidemment secret tous leurs agissements pour garantir le côté juste des marchés. C'est primordial dans un marché, il ne faut pas que des gens aient une information avant les autres. Ça permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, ce qui permet de rendre, c'est très vertueux pour le marché, comme ça, tout investisseur a les mêmes armes et n'est pas obligé d'être dans des réseaux. De faire des délits d'initié. Donc, les entreprises cotées sont très observées. On ne connaît pas leur agissement. On connaît leur agissement a posteriori lors de la déclaration de leurs résultats en général trimestriels. Et moi, ce que je pense, c'est que si en juin, on a appris, ou plutôt c'était début septembre, on a appris que MicroStrategy avait acheté des bitcoins avec sa trésorerie. Et il y avait une autre, il y avait à ce moment-là aussi Square App, je crois qu'ils venaient d'acheter aussi pour 50 millions, on le découvrait. Mais s'il y en a eu une 5 ou 6 entreprises cotées qui ont acheté des bitcoins, je pense qu'on va découvrir ici maintenant fin d'année avec le résultat trimestriel des entreprises, on va découvrir à mon avis une dizaine, voire des dizaines d'autres entreprises qui auront fait pareil. Donc on va avoir aussi des titres de journaux qui vont tous déclarer que des entreprises achètent Bitcoin. Et donc là, actuellement, je pense que ce qu'on est en train de voir là, dans le marché, c'est des dizaines, des centaines peut-être d'entreprises qui sont en train d'acheter des Bitcoin. Et c'est ce qui nous a amené aux 20 000, je pense. Enfin, je pense que c'est lié. Et moi, je l'écrivais en septembre, parmi mes indices. Je pense que le résultat, c'est vraiment ça. C'est pour ça que la hausse s'est faite quasi par surprise de 11 000 à 20 000 en ligne droite. Je pense qu'il y a des dizaines d'entreprises. Et quand je dis entreprises, c'est également des fonds d'investissement. Ce n'est pas nécessairement des entreprises qui font des biens et services. Il y a également tous des fonds d'investissement qui déclarent qu'à posteriori avec leurs résultats trimestriels. Et donc, on a eu d'autres vents comme ça de fonds d'investissement qui ont des milliards, genre Mutual. Un fonds d'assurance vie américain qui a 234 milliards sous gestion, ils ont acheté 100 millions, ils l'ont annoncé il y a une semaine. Il y avait Guggenheim Investment, eux ils ont des dizaines de milliards, ils remplissent ça formulaire pour acheter Bitcoin. Et donc, on va l'apprendre a posteriori dans quelques semaines, quelques mois, que, à mon avis, il y avait des dizaines, centaines d'entreprises qui sont en train d'acheter tout ça. Dernier point, c'était. Je terminais par un des plus importants, je trouve. Enfin, évidemment, le plus important pour moi, c'est l'achat soutenu et intempestif des entreprises. Et comme je dis, entreprise, ça englobe aussi les entreprises financières. Mais ici, le dollar faiblit. Pour moi, c'est pas mal du tout. Pourquoi ? Comme le Bitcoin est coté contre principalement le dollar, et tout se décide en général sur Bitcoin USD, comme le pétrole est décidé mondialement contre le dollar et toutes les autres matières premières, le Bitcoin n'échappe pas à ça, il est coté contre le dollar. Donc le dollar est un élément important dans la hausse du prix du Bitcoin, parce que c'est une fraction. Alors, le Bitcoin, lui, ici, c'est un graphique qui a, on voit 10 ans d'évolution du dollar index en bleu. C'est une courbe d'un panier dollar contre plusieurs devises majeures. Et donc, s'il augmente, ça veut dire que le dollar est en train d'écraser les autres devises mondiales. S'il baisse, il est en train de perdre contre les deux autres devises mondiales. Le Bitcoin, lui, il est né dans un creux du dollar index en 2010 et il a été coté fin 2010 dans un creux du dollar index qui n'a fait que monter depuis 10 ans jusqu'à crash Covid, où là, il y a eu une appréciation du dollar, mais finalement, depuis quelques temps, on voit que peut-être que cette tendance est mise à mal. Et j'ai regardé, ça continue de baisser. Donc, j'avais mis ici contexte de faiblesse du dollar. Et tout ce qui est coté en dollars aura tendance à augmenter légèrement. Et d'autant plus sur les matières premières et les métaux précieux et le pétrole. Donc, vraiment, les matières premières principales sont en partie dépendante de la force du dollar, c'est le contexte dans lequel ils évoluent. Alors forcément, ils ont une force intrinsèque, ça a permis, la hausse du dollar n'a pas empêché le Bitcoin de s'apprécier, parce qu'il a une force intrinsèque importante,
Donc, je répète, le dollar, le Bitcoin a pu s'apprécier, c'est une force très importante. Il était face à un vent de face qui était une hausse de l'art aussi. Imaginez maintenant un Bitcoin à continuer d'augmenter son apport sociétal et avoir des fondamentaux forts, mais avec le vent dans le dos, c'est-à-dire avec un dollar faible. Alors, essayez d'imaginer vers où ça va nous mener. Donc ça, c'était le dernier point. Donc on checkait à peu près toutes les cases. Alors je termine évidemment sur... J'étais conscient que le billet était forcément haussier, c'est-à-dire que je prenais que ce qui pouvait être en faveur d'une hausse. Je collectais le maximum d'indices. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il y avait vraiment des indices fondamentaux qui sont négatifs pour le Bitcoin? Et moi, je pense que les problèmes de piratage de plus en plus élaborés, où on a eu Ledger qui a des fuites, on a des échanges qui ont des hacks, on a des smart contracts qui se brisent, on a des problèmes de gouvernance aussi, la gouvernance de Bitcoin est souvent mise à mal, ou du moins questionnée, est-ce que les développeurs sont blockstream ceci, blockstream pas cela, est-ce que tout ça, c'est vraiment fondamentalement important? Ben, moi, je pense que tout ça, ce n'est que des coups de canif, comme je le dis, dans une peau qui ne fait que s'endurcir au fil des années. On n'a pas de fondamentaux, et je serai le premier à essayer de le montrer, mais de fondamentaux qui foncièrement sont négatifs sur le Bitcoin. Voilà, donc là, c'était quand même... on a fait le côté technique, le côté fondamental de Bitcoin. Alors, soit on fait une petite pause, petite question-réponse, je crois qu'il y en a une, et après, moi, je propose après de regarder de plus haut. On sait que les cryptos, c'est pas que Bitcoin. Bitcoin est moitié des cryptos, et il y a évidemment... le marché altcoin qui lui-même, cette moitié-là, on va voir qu'il répond à des tendances et on va essayer de les analyser, essayer de comprendre où on en est aujourd'hui, fin 2020, et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois ou pendant l'année 2020. USD dont la valeur semble se déprécier structurellement, ETC. Ça, je pense que c'est un écueil quand même important, hein, c'est de croire que la monnaie est foncièrement... vouée à disparaître ou à être foncièrement mauvaise. Pas oublier que monnaie, donc, euro, utiliser ça, gérée par la centrale, elle peut raréfier l'euro, elle peut le raréfier ou le déprécier. Et avoir des euros, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont disparaître. Dans certains moments, à ce côté, on est certain qu'il y a une certaine pérennité de notre monnaie, et où on est avec une certaine stabilité malgré la conjonction économique qu'on traverse. D'ailleurs, en 2020, on l'a bien vu, il y a eu des fluctuations énormes, mais malgré tout, il y a eu de très particuliers sur l'euro ou le dollar. Avoir du fiat, ce qu'on appelle avoir une option sur... un achat de biens ou d'investissement futur. Donc, en effet, on recommande à personne d'avoir énormément de fiat. Ce n'est pas l'objet du fiat. Il n'a jamais été destiné à être tenu, à être perçu comme un investissement. C'est une manière de passer d'un investissement à l'autre, d'un investissement à un autre service, d'un investissement à un autre bien, une maison, du mobilier. C'est une manière de passer d'un actif à l'autre, finalement. On ne recommande à personne de garder du fiat, même si au pire, des cas, il perdra 1 à 2 % par an. Vraiment, au grand pire des cas, si on n'arrive pas à se décider pendant 3 ans ce qu'on fait de sa trésorerie, ce n'est pas un coût fondamentalement important. C'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi vendre du Bitcoin contre du fiat? Justement, on sait que le fiat il va pas bouger de quelques pourcents par an, grand maximum, et en général on est plutôt proche du pourcent par an maintenant, il y a plein même qu'il n'y a pas d'inflation, ça permet d'éviter d'être à risque dans un actif. Donc à partir du moment où, c'est ça avec mon fonds d'investissement, à partir du moment où on considère que le Bitcoin n'est plus haussier, on va préférer être dans un actif stable, alors on ne va pas le vendre contre des Link ou des Ethereum, je ne sais quoi d'autre, de l'or, on va préférer le vendre pour du fiat en attendant
le Bitcoin se déprécie ou les cryptos se déprécient. Et évidemment, on connaît le coût. On sait que garder du fiat, c'est très intéressant. Et on sait aussi que c'est une opportunité énorme de pouvoir acheter avec une trésorerie qui n'a presque pas fluctué, pour acheter un nombre conséquent, on l'espère, plus grand de Bitcoin ou de crypto. Après, donc ce n'est jamais qu'un moyen, évidemment. Ce n'est pas une fin. Donc ça, je pense que c'est la seule question. Et alors, un écueil qui est énorme hein, dans la crypto, c'est ne pas comprendre la monnaie. Tu vois. Là, c'est, heureusement, j'en ai souvent parlé dans les meet-ups, etc. On prend toujours pour un majorette des banques centrales. Moi, je dis juste, soyez pas trop irrationnel. La monnaie est là pour vous appauvrir. C'est une construction sociale qui essaye de garantir une stabilité sociale. Voilà, c'est un contrat social, rien au-delà qui est... il n'y a rien de malin dans cette constitution, dans la monnaie, elle n'est pas là pour répondre à une fin, à un objectif, juste un moyen qui essaye de une base pour la prospérité de notre économie, toutes nos interactions. Alors, question, comment savoir la fin de la tendance haussière connaître la fin d'une tendance haussière, ce sera donc voir. Alors déjà, on n'essaie pas de la deviner à l'avance. Donc, premier point, on n'essaie pas de le faire à l'avance. Qu'à preuve du contraire, on considère que la tendance est toujours installée. Donc, sur les marchés traditionnels, il y a une fameuse règle du moins 20%. Mais c'est les marchés à ciel américains. Et malgré tout, lors du crash Covid, on a dépassé le moins 20%, je crois que c'est moins 25%. Et ça n'a pas écorché pour autant la tendance. Donc voilà, c'est une règle un peu bête de se dire, voilà, est-ce que c'est un pourcentage absolu un peu bête. Alors justement, là, je te rejoins, on va essayer de faire de l'analyse avec mes petites courbes vertes et rouges. Ce sera de trouver à un moment donné, en effet, un plus bas majeur rapport à un plus bas précédent. Et puis alors, si ce plus bas est plus bas qu'un plus bas précédent, on va surtout aussi attendre que... C'est ce qui s'est passé avec le crash Covid sur les marchés à 10 ciel, c'est que finalement on a été faire un plus haut. On va surtout essayer de voir si le marché n'arrive plus à faire de plus haut que les précédents hauts. Vous suivez, ça fait presque une chanson de rap. Et on va essayer de voir s'il y a une faiblesse et qu'on fait un plus haut qui est plus bas que l'autre. Et donc, si on rejoint deux points bas, qu'on rejoint les deux points hauts, on va avoir un canal baissier et c'est là qu'on peut commencer à inscrire une tendance baissière. Ben alors, ben justement, il n'y a pas de... Donc, je réponds à PHMMD, donc c'est moins 30, moins 40. Non, moi, je connais des altcoins qui ont fait moins 60%. Elles s'en sont très bien remises et elles ont fait encore des 1000% derrière. Donc, il n'y a pas de l'absolu. Ça va dépendre, évidemment, de la volatilité intrinsèque de l'actif. Évidemment, si un jour, vous voyez un moins 30% sur l'euro-USD qui fait que 3-4% par mois, il y a un gros, gros problème. Si vous voyez moins 30% sur Dogecoin... Et encore Dogecoin, il est un peu stable. Je vais essayer de trouver un autre truc. XRP, par exemple, il a fait 100% en 3 jours et demi. Il peut même faire moins 40, moins 50%. C'est peut-être pas pour autant qu'il a renversé. Alors, il y a eu correction. Alors, c'est là aussi. Là, on est voué. Ça, c'est un autre point. On est voué à découvrir le prix. C'est-à-dire qu'on va repartir dans une bulle, certainement. La bulle, c'est quoi? C'est quand le prix est complètement décuple, alors que les fondamentaux qu'on a regardés, qu'on observait à la loupe là, pour voir si entre 10 000 et 20 000, entre 10 et 12 000, on n'était pas en train de être en phase avec les fondamentaux. Et à un moment donné, si Bitcoin passe de 20 000 à 150 000 à 300 000, forcément, on peut se douter que les fondamentaux n'ont pas fait x10 en l'espace d'un an. Ça, c'est le principe de la bulle, c'est que le prix a été décorrélé du rationnel et que les fondamentaux ne suivent pas, et donc on va certainement corriger pour aller les retrouver. Donc,
ce rythme de bulle, on va avoir des corrections. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on renverse ou qu'on explose la bulle et qu'on est en crash. La bulle, c'est une opportunité. Il faut savoir que la bulle, c'est une opportunité énorme pour nous qui venons d'attendre depuis 3 ans qu'on aille enfin plus haut. Avoir peur de dénoncer, de mettre les mots sur ce que c'est, et il ne faut pas avoir peur d'en profiter. Durant cette bulle probable, il y a de fortes chances qu'on ait des corrections. Les corrections, en moyenne, elles arrivent et elles font moins 30%. Études sur 10 ans, et 3 bulles, et sur une quinzaine, une vingtaine d'occurrences, on aura des moins 30%. Moins 30%, c'est quoi? C'est un jour, on arrive à 26 000 et on redescend à 20 000, par exemple. Et voilà, il ne faut pas être trop apeuré, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui va arriver. Et question, c'est est-ce qu'elles seront moins grandes? Ben ça, je ne sais pas. Ces corrections seront 10-20, probablement. Je pense qu'on aura peut-être plus des corrections de 30%. Peut-être 10-20%, essayer de s'en tirer avec ça. Je pense que ouais, ça va changer. Certainement, par contre, on aura les moins 30% pour Ethereum et compagnie qui ne sont pas encore sur les radars des investisseurs. Autre question, l'or est en plan. Alors, ça, c'est pas mal aussi. L'or en tendance haussière, mais moi, je soutiens que l'or est haussier depuis juin 2019 à 1 400 $ l'once, et à 1 800. Alors, le problème, c'est que quand tu switches de Bitcoin à l'or, quand il était à 2 000 $ l'once, tu peux quand même te prendre à moins 10%. Tu n'auras pas l'euro ou le dollar. Là, l'or, il est à 1 008. Donc, il a perdu 10% par rapport à ces 2 000. Voilà, c'est... Moi, je... C'est... Il faudrait un timing heureux, quoi. Il faudrait, à mon avis, charter, alors, à ce moment-là, la paire Bitcoin-or, en fait. Et là, on peut commencer à avoir un investissement rationnel, passage d'un à l'autre. Et se dire, je quitte le Bitcoin, je veux absolument pas toucher le fiat parce que, raisons, à mon avis, qui sont pas valables, je veux que passer sur l'or, pour moi, c'est pas quelque chose de... intelligent, sauf si on l'a fait en amont avec une étude Bitcoin or, qu'on arrive à timer peut-être un cycle qui va s'opérer en défaveur du Bitcoin, en faveur de l'or, et à ce moment-là, oui, c'est dans l'autre. Alors, que penses-tu de l'arrivée des BTC sur des ex-clients MTVox? Alors ça, c'est aussi le grand marronnier qui nous... jusqu'à ce que je m'en souvienne, ça fait plus de 3 ans qu'on me parle des MTVox Coin. Or, savoir que moi je suis dans la procédure, donc je suis un petit peu, et c'est toujours pas clair déjà si on va recevoir des bitcoins. Mais fondamentalement, même si j'en étais spectateur, est-ce que on te donne des bitcoins qui sont en train de faire 30% par semaine, est-ce que tu vas te dire oh mon dieu, je vais les vendre? Wow. À toucher à enfin d'avoir des bitcoins MTCoin, il faut absolument que j'en débarrasse. C'est un peu fameux sport à jouer, à se faire peur. Les investisseurs restent toujours rationnels, ils sont toujours guidés par la même chose, la cupidité et la peur, sans que ce soit moralement mauvais. Donc, s'ils détiennent, ils ont enfin un actif, ils attendent depuis, ça fait 6 ans, ils ont enfin un ou 10 ou 20 bitcoins. Leur arrive sur un portefeuille. Est-ce que absolument, c'est écrit quelque part qu'ils vont devoir les convertir en euros? Donc, sur les 150 000 bitcoins qui seront peut-être redistribués, il faut se dire qu'il y aura une vente de 150 000. Ben non, le marché sera haussier. Ah ben, c'est le principe de tendance, il s'auto-entretient. Les gens ne veulent pas vendre, donc ils ne vont pas vendre leurs 150 000 bitcoins. Et ils vont même peut-être en racheter. Avec. Voilà. Donc, essayer de... Enfin, On peut juste résumer le problème aux tendances. Voilà. Il suffit d'étudier le prix et vous saurez ce qui va se passer. Il n'y a pas besoin d'essayer de trouver des explications sur les fameux bitcoins qui vont d'un coup se transformer en euros et faire cracher le marché. C'est complètement interprété.
Est-ce qu'on m'a perdu? Mathieu, on ne t'entend plus. Ah, voilà, vas-y. Ok. J'essaie de me rapprocher. Ok. Donc, voilà, je ne sais pas où ça a coupé. Je parlais donc d'AMT GoxOrange. Tu sais peut-être me dire où ça a coupé? On a attendu un haché, en fait. Ok. Voilà, je refais le point. En gros, aucune raison que les AMT Gox se transforment directement, soit vendus, en fait. Si on suit le principe de tendance, il y a, vu qu'ils sont en entretien, à partir du moment où on a un actif qui s'apprécie, on a envie de le garder. On n'aura pas de vente massive parce que les gens récupèrent des bitcoins. En plus, comme étant dans la procédure, il est fort probable qu'on touche de l'argent. Tu vois. Donc, c'est même paradoxalement l'inverse qui peut se produire. Voilà, donc, je crois qu'on a fait le tour là, des questions-réponses. On peut peut-être passer du coup à la suite. On va s'intéresser maintenant aux altcoins. Marché altcoin qui est, comme je l'ai dit, un sous-secteur des cryptos et qui a des tendances qui sont propres. Surtout le marché altcoin BTC, c'est-à-dire que altcoin USD va souvent suivre ce qui se passe sur altcoin, mais intrinsèquement, on va essayer de voir ce qui se passe sur altcoin BTC. Donc, je vais partager l'écran. Si on regarde un graphique, c'est le top 125 altcoins. Alors, Phil, n'hésite pas à intervenir si je repars en mode Robocop, tu me le dis comme ça. Arrête. On voit le marché. C'est trop gentil. Donc, a connu la bulle, a connu son marché baissier, a connu son marché sideways. Lui, il a duré un peu plus longtemps. Le marché AltUSD, voire, hein, comparé au Bitcoin, Bitcoin, lui, il vient de dépasser son plus haut. Bitcoin, lui, il est ici. Le marché ALT, top 125, il est déficit plus bas. Il est en train de sous-performer le Bitcoin, ou il a trop performé avant, surtout, en fait. Ce n'est que début novembre qu'on a cassé une résistance importante qui nous occupait depuis juin 2018. Donc là, sur le marché total coin USD, on va appeler ça, en déficit, on n'est pas en plus haut. Et on n'est même pas en plus haut aujourd'hui, alors que le Bitcoin est en train de s'envoler. On n'est même pas en plus haut par rapport au haut de fin novembre. Donc là, c'est des chandelles semaines. Ça fait 3 semaines. Après 3 semaines, malgré le plus haut du Bitcoin, on n'a même pas dépassé un plus haut qui s'était fait il y a 4 semaines. Mais bon, la tendance, elle est claire. On a renversé une tendance baissière, elle est sideways et on est reparti à la hausse. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir la performance relative par rapport au Bitcoin. Alors, la performance relative par rapport au Bitcoin, je vais prendre tout l'historique, essayer de faire un graphe un peu plus propre. Je change la formule. Ceci, c'est 125, performance relative du top 125 par rapport au Bitcoin. Et donc, en gros, on a eu 2014, 2015, 2016, qui était consolidation. On avait déjà vu ces principes-là. On a vu qu'il y a une cassure importante fin 2000, pardon, mi-2016. Je me souviens, on appelait ça le Summer of Alt, l'été des Alt, a enfin cassé à haut de 2 ans et qui a entamé une tendance haussière. Finalement, est devenue une tendance baissière après. Je répète, on est la force relative.
alternative. Que c'est pas encore non plus très directionnel. C'est-à-dire que bon, on a, j'avais anticipé que... Oui, je suis là. En train de réfléchir. Je disais, finalement, moi, fin 2019, je pense que j'avais identifié qu'il y avait probablement un tournement de la tendance des altes face au Bitcoin. Ce qui s'est passé, c'est ici. Au lieu de continuer à perdurer cette tendance, finalement, les altes, elles sont quand même très faibles, elles ont été vraiment un peu plus bas. Elles sont en souffrance, les altes, alors que le Bitcoin se porte très bien. On voit qu'on n'a pas ce phénomène de tendance qui est directionnel sur les altes. Donc là, ça fait depuis que le Bitcoin, en fait, peut-être qu'il s'est passé 12 octobre, ici, ce moment-là, ce qui se passe, Bitcoin, lui, gagne 100% en fait même. C'est-à-dire qu'il a gagné 100% par rapport à aujourd'hui. Ceci, Bitcoin plus 100%. Les altes sont sous pression, parce qu'elles sont cotées là contre. Et elles ont... La question, c'est... Est-ce qu'il y a encore une tendance haussière dans les altes, en fait, maintenant ? La question. En train d'entamer, finalement, on va se diriger peut-être vers un plus bas, la question. Est-ce qu'on est plutôt en train d'entamer un long marché ou une grande consolidation, ceci ? Voilà, il y a une grosse faiblesse sur le marché altcoin en fait pour l'instant. Malgré en effet donc Bitcoin découvre plus haut, le Bitcoin découvre plus haut, ben finalement les altes elles sont pas vers le nord quoi, vers le sud, c'est vers le bas. Ça c'était un peu le contexte dans lequel on était. Personnellement, pendant un an, on a pu profiter d'une hausse sur les altes. On a même eu un moment très faste. C'était l'été 2020. C'était le fameux avec défi. Pendant ce moment-là, on a eu on peut appeler ça une bulle, une effervescence sur le token défi. S'inscrivait à l'époque, qui s'inscrivait dans un retournement de la tendance des altes et dans une tendance haussière. Et c'est pour ça qu'il y a eu des retours énormes. Les tokens défi, ils ont fait fois, ça va de fois 3, fois 10, fois 20. Si on prend IFI, le token YERN, DeFi, KFI, ça fait fois 20 en l'espace d'un mois. On avait c'est une bulle là-dedans parce qu'on avait qui surperformait le Bitcoin en trame de fond intrinsèque. Là, c'est pas le cas. On est complètement à l'inverse. Là, on a du rouge, on est vers le bas. Faut pas espérer voir du x20 pour l'instant sur les altes. On est dans un contexte favorable. Je rappelle qu'en septembre, enfin, en été 2020, le Bitcoin lui montait aussi. Je vais vous montrer. Regardez sur ce graphe-là. Quand on est l'été 2020, une sur Bitcoin. C'est déjà très positif sur Bitcoin. En plus, sur Total 2, je vais vous montrer. C'est actif du top 125. Le Bitcoin qui augmentait, mais en plus les altes qui augmentaient, alors qu'elles sont cotées contre le Bitcoin. Donc on a vraiment eu un effet important.
voilà ce qui s'est passé. Donc, espérer retrouver ce qui s'est passé en été, non, c'est pas favorable. Il faut privilégier l'élément le plus fort, c'est Bitcoin. Et, je ne vais pas me pavaner, mais avec mon fonds d'investissement, nous, on privilégie le Bitcoin depuis octobre 2020, depuis le breakout, parce que, les algues ne sont pas sous-performes. Voilà. Sous-performes, et on n'a pas cette corrélation positive entre le Bitcoin qui est à haut, qui augmente, et les algues BTC qui augmentent. Là, on a le Bitcoin qui augmente et les algues BTC qui diminuent. Voilà, tout ça j'ai documenté sur Twitter, il y a beaucoup de documentation sur ces comportements. Voilà, espérer qu'il y ait la même chose, type bulle défi, là maintenant, on n'y est pas du tout. Voilà, on a même une semaine là qui a même baissière très forte. Donc, les alt, elles sont vraiment en souffrance. Pourquoi ? Ben parce que les gens désinvestissent le secteur alt, ils voient bien que Bitcoin est à rendez-vous maintenant, ils préfèrent acheter la coin qui est. La plus chaude du moment et il quitte chez Alt. Une histoire de flux. Voilà. Malgré tout, il y a un petit point positif. C'est Ethereum Bitcoin. Là, je pense que, pour faire bref, Ethereum, c'est la meilleure Alt, quasiment. Voilà. Il y a des Alt qui font un peu mieux, etc. Mais de manière consistante et avec le plus gros volume, Ethereum est vraiment un outsider, même un leader, voilà, leader alt. Et sur ce graphe THBTC, on a eu force baissière, double bottom, on n'a pas fait de plus bas. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où on ne fait pas de plus bas, à la hausse? Alors là, toujours le même principe. Je pense qu'on est dans une tendance haussière sur ETH-BTC jusqu'à invalidation, jusqu'à preuve du contraire. Pas de raison de croire qu'on n'est pas en tendance haussière sur Ethereum-BTC. D'autant plus que bah, finalement, on a eu une longue consolidation de janvier à août, 8 mois, enfin percé, venir retester et repartir. Tant que pour moi, on ne traverse pas. On ne revient pas vers des 0,02, on est vers 0,03. On ne traverse pas, tant qu'on ne revient pas dans cette zone, pour moi, il y a une tendance haussière, tant plus qu'on a mis du temps à arrêter la baisse. Pour moi, il y a une tendance haussière sur Ethereum Bitcoin qui peut présager des valeurs importantes pour Ethereum. Si THBTC double, c'est-à-dire d'ici, rejoint même la tendance haussière, il revient peut-être dans cette zone-ci, on va faire plus 80% avec peut-être un Bitcoin qui aura fait x3. Donc vous posez x3, x1.8, on est de l'ordre de 6 fois le prix actuel, on pourrait avoir un Ethereum à 3 000 $. Pas impossible. Voilà. C'est pas impossible qu'on ait une valeur. Oui, j'en avais parlé à de choses. Et puis, on a construire, et puis ben, voilà, il y a d'autres choses, puis il y a UTO. Voilà, donc ça c'était le point. Donc on sait que les altes sont baissières pour l'instant, mais le leader, Ethereum, lui, présente toujours des forces. Présente toujours une force, une tendance haussière. Et donc même si ça paraît faible maintenant. Il ne faut pas s'étonner qu'en un mois, on pourrait avoir une explosion du prix d'Ether. Toujours. Je ne vends pas, c'est pas de tes investissements, c'est hypothétique. Mais si on me dit dans 3 mois, 6 mois que Ethereum est à 3 000 $, je comprendrai pourquoi, en fait. Ça, ce ne serait pas une grosse surprise. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Voilà, moi je pense que ça va. Terminé, là on a déjà fait plus d'une heure de présentation. Je propose encore de faire des questions-réponses et on aura déjà fait une bonne heure et demie de meet-up. On peut conclure là-dessus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, on va essayer de voir et puis on essaiera de peut-être montrer encore d'autres choses. J'ai une question.
question, Mathieu, si tu veux bien. Des 20 000, quoi. Oui, c'est ça. Et... est-ce qu'elle te paraît solide? Est-ce qu'elle. Comment l'analyse? Je veux m'exprimer par rapport à ça. Fil Robocop. Je vais faire un petit. Et je vais quand même montrer un graphe, parce que là, c'est quand même important, je pense, de montrer. Je vais repartager l'écran. C'est cette flopée de chandelles. Okay. 1, 2, 3, 4, une rouge. 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 chandelles, 3 jours. Peut-être même encore celle avant, 19 chandelles. Sauf une rouge, mais minime, on peut considérer qu'il y a eu 19 chandelles 3 jours vertes. Vous pouvez regarder là dans le passé, on n'a jamais eu cette suite de chandelles. Quoi. Déjà, avant d'y arriver, on a vraiment une explosion de 10 000 à 20 000 en ligne droite. Vraiment eu une ligne droite. Alors là, c'était très certain parce que si haut, si vite, c'était, ça nous occupait 3 semaines, on pouvait percer malgré tout le fameux niveau historique. Ben oui, malgré tout, si on vient en chandelle 4 heures, finalement, on a eu une compression sous le niveau, qui a piégé, je pense, beaucoup de gens ici. On dit, ben, c'est terminé, cette compression, elle va casser. Du coup, ça va donner beaucoup de ventes de Bitcoin, mais du coup, qui dit vente, dit beaucoup de dollars qui sont sur le côté du marché, qui sont prêts à rentrer à nouveau dans le marché. Et ça a finalement, ça a encore compressé et ça a percé. Et voilà, le seul truc que moi je vois, c'est que si on n'avait pas pris une entrée, un trade précédemment, c'est compliqué de rentrer dans ce marché avec une telle hausse aussi forte. Et pour nous, voilà, on avait pris des trades précédemment. Voilà. Nous, on a des trades en cours depuis mi-octobre, 10 800. Donc, nous, pas de souci. Voilà. On n'a pas été invalidé, on est toujours dans le trade. Mais pour ceux qui veulent rentrer maintenant, c'est très compliqué. Mais c'est paradoxal parce que au plus c'est compliqué, au plus les gens auront tendance finalement à se dire bah, tant pis, voilà, maintenant j'achète et ils vont encore propulser plus le prix. Et d'autant plus que c'est tellement forte. Et beaucoup de gens essaient de vendre, de shorter ce marché-là, et du coup, ça renvoie encore plus haut le marché. Voilà, maintenant, la cassure est faite. Je ne peux pas, moi, prédire ce qui va se passer. Il y a eu beaucoup de cas où il y a des déceptions, que ce sera durable ou pas. Moi, j'essaye juste d'éviter, en gros, de ne pas prédire et de juste sortir du marché, éviter le risque de baisse. Et dans ce cas-là, c'est plutôt, je suis en mode, j'approche les marchés en essayant de vendre via des stop-loss, des trailing stops. C'est, ok, bah, si on se retourne, bah, moi, je quitte le marché, je laisse à d'autres. Chance, moi, je n'ai pas été invalidé encore jusqu'à. Enfin, moi, je n'ai pas de prémonition hein, particulière. Je ne croyais pas trop aux 20 000 dollars pour cette année. Mais ça n'a pas pour autant fait que j'ai joué ce scénario-là. Pour moi, c'était inéluctable quoi, qu'on y dépasse. Je pensais vraiment qu'on allait stabiliser encore quelques semaines, l'histoire de 3 semaines, arrivant en 2021, et peut-être le faire. Donc là, je suis assez agréablement surpris qu'on ait percé les 20 000. Et le contexte, c'est moi, je pense, hein, c'est ce que j'ai dit, les fondamentaux sont tellement puissants. Et on va se rendre compte que tellement de fonds et de sociétés achètent, et c'est plus des Madame Michou, plus 5 millions de Français qui achètent avec 5 000 balles. Quoi. Là, on parle de 20 ou 30 sociétés qui achètent avec des poches profondes de centaines de milliards. Donc, voilà, on est dans un autre jeu. Je pense que le mot d'ordre, c'est acheter tout tant que c'est possible en dessous des 20 000. Je pense qu'à un moment donné, il y a une... je crois que le crash a conditionné beaucoup ces entreprises et les family office et les fonds, et se sont dit, comme Paul G. Tudor, ok, l'économie va peut-être avoir un peu d'inflation, j'aimerais bien trouver quelque chose qui m'y protège, mais il suffit qu'il soit 10 ou 100 à se le dire, et ils courent tous vers la même porte,
et la porte est un peu trop petite pour eux. Et c'est pour ça qu'on a eu ce chapelet de 18 chandelles. Je pense que sans se concerter, ils sont tous en train d'acheter la même chose. Et le mot d'ordre, c'est qu'on achète tout en dessous de 20 000, comme ça, pas de tracas. Donc là, maintenant, la question, est-ce que au-dessus de 20 000, c'est soutenable? Voilà. Est-ce que c'est soutenable sans eux? Je pense que là, maintenant, beaucoup vont un peu freiner leurs achats, frénétiques. Et est-ce que ce sera soutenable? Mais ça, je n'ai évidemment pas la réponse. Je me garde bien de la donner. Alors, une petite question. Est-ce que la la fin du cycle OC de Bitcoin arrivera quelques mois après que les médias commenceront à en parler de manière soutenue? Oui, certainement. Voilà. Réponse. Une fois que les médias en parlent tous, sera probablement le début de la fin. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Antenne 2, France 2 a parlé de Bitcoin quand il dépassait les 10 000 en 2017. Ça n'a pas empêché de doubler encore derrière. Donc, il ne faut pas non plus marcher vers la sortie dès que les médias en parlent. Et France 2 n'aurait plus parlé depuis 3 ans pour dire que c'était l'argent de la drogue. En 2014, ils ont interviewé Gonzague. Parler de Bitcoin égale drogue, et puis 3 ans après, ils font les grands titres, c'était au JT de TF1, de France 2, grand 10 000 derrière la présentatrice. Oui, les médias vont en parler, mais ce sera le début de la fin. Avoir trop peur. Pourquoi tu dis tu total 2 BTC pour analyser la performance? Et pas simplement le graphique de la dominance. Voilà. Alors pourquoi j'utilise ça? Parce qu'en fait, la dominance, on peut lui donner, ce sera fort pareil. Juste un point où je préfère avoir un top constant de 125 alt, tandis que la dominance, on ne sait pas combien d'alt sur un jour. Voilà, c'est quasiment pareil. À la place de la dominance, c'est total de BTC. Bon. Voilà. Juste un point précis. Introduction au CME du BTC, Athena News, du short, macro. Oui, alors, introduction du CME, BTC au CME 2017, c'était un peu la vente de la news. La rumeur, c'était que ça allait arriver pendant 2 ans. Alors, est-ce que c'est un point de short? Je ne pense pas, c'était une vente. Ici, voilà, je n'ai pas encore fait de grandes projections, de réfléchir. Chaud, quel pourrait l'élément. Vraiment, en fait, prenons. L'introduction du BTC au CME, c'était un peu l'objectif final d'un Graal. Atteindre, inclure le Bitcoin dans le marché financier. Ici, quel serait le Graal du Bitcoin? Ben, en fait, je pense qu'il y a une grosse narrative, c'est Bitcoin versus l'or. Beaucoup de fonds désinvestissent l'or. Je ne sais pas s'ils investissent derrière le Bitcoin, mais je pense qu'on va de plus en plus avoir des indices. Je pense que ça va jouer là-dessus. Combat, Bitcoin, market cap du Bitcoin, market cap de l'or. Je coupe le stream, pardon. C'est-à-dire que Bitcoin entrait dans le trading financier global. Avait sa place dans le paysage financier global. Il est arrivé, et puis alors c'était la fin. Aussi. Pour ici, non, Bitcoin est dans le paysage financier global. Quel pourrait être l'objectif de ce cycle-ci? Quand je réfléchissais, à mon avis, ce serait un combat entre Bitcoin et l'or. Voilà. Je ne sais pas encore saisir ce que je pense qu'il va y avoir quelque chose autour de cela. Et peu, allez, on va essayer de rêver. Peut-être que l'or baisse tellement qu'il remplisse les flux de Bitcoin et qu'à un moment donné le market cap du Bitcoin dépasse le market cap de l'or. Et ça, je pense que ça c'est vraiment encore à la limite une bulle plus tard, quoi. Enfin, je sais pas. Quels sont les alts qui ont le potentiel? Voilà, ce n'est pas l'objectif du jour. Ça, c'est réservé d'autant plus à des études très pointues.
Je ne peux pas, moi, donner voilà, des conseils. Trop de CME de TH sur rien de particulier à ce niveau-là. Ce n'est pas quelque chose d'important. Mais ils en parlent, ça, de CME Ethereum. Tu me l'apprends. Ça... Ah oui, ok, ça a été. Ouais, oui, ok. Ah oui, voilà, donc ça confirme bien que Ethereum est une altcoin leader parmi le reste. Voilà. À la ligne, quoi. Ethereum, meilleur alt, et je pense qu'elle est haussière. Même si les alts sont baissières, le reste des alts, un point un peu plus particulier. Je pense qu'il y a eu un changement important en 2020, c'est qu'on a remarqué. Toutes les altcoins type Layer 1, c'est-à-dire qui produisent une blockchain par usage, on connaît très bien, il y a une blockchain pour acheter du cannabis, il y a une blockchain pour faire élever des lamas en Inde, un machin, bidule, tout ça, c'est fini, terminé, basta. Voilà, fini, toutes ces alts, au revoir, vous pouvez mourir en paix. Il va rester une ou deux alts, trois, quatre, pour proposer des Layer 1, donc leur blockchain pour l'économie de token là-dessus. Pour l'instant, il n'y a que Ethereum qui propose ça. Ethereum, je ne suis pas moi pro-Ethereum, je suis plutôt pro-Bitcoin, mais factuel, cet été, les gens payaient plus de frais sur Ethereum pour l'utiliser que même sur le Bitcoin. Et puis, la troisième coin qui arrivait, les frais qui ont été dépensés sur ces coins, donc type Ripple ou Bitcoin Cash, les frais, c'était 0 dollars, 0 centimes. Personne ne veut payer un moindre centime pour utiliser ces blockchains. Donc voilà, là, je pense que 2020, c'est terminé. Ni on jette à la poubelle toutes ces coins. Il en reste peut-être 3, 4, 5. On est en train de voir qu'il va rester probablement que Ethereum pour l'instant. Donc là, on termine, on finit un petit chapitre, on le referme, ce petit livre. Maintenant, on va ouvrir le livre, je pense, des Layer 2, de tokens. Et les ERC20, les tokens qui sont au-dessus, mais qui ne produisent pas une blockchain par usage. On a vraiment un service économique, bien financier, et sur un protocole établi, disparaître, où les gens sont prêts à payer pour les utiliser. Donc il y en a deux, c'est Bitcoin et Ether. Et on a une nouvelle économie qui va se développer là-dessus. Ça, c'est dans la thèse du crypto bullish, que si Bitcoin performe très bien maintenant, c'est certain qu'il y a aussi une économie de tokens qui va se développer, de services financiers ou que sais-je, et que c'est déjà en train de se développer actuellement. Et Monero, voilà. Peut-être Monero sera peut-être la troisième coin. Je ne sais pas où en sont les frais là-dessus. Voilà. Alors oui, il y aura un ruissellement vers les altcoins. Pourquoi? J'en parlais ce matin. Pourquoi est-ce que les altcoins vont quand même exploser? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que... Enfin, ça, c'est paradoxal. Hein. La conscience populaire veut dire que les gens les plus cupides et avares sont les banques, les traders, la marché financier, c'est... l'ignominie, c'est des gens abus et avares et cupides. Or, quand on met ces gens-là qui bossent quand même, et qui essaient de faire un travail de valeur, arrivent les particuliers, je me reconnais là-dedans, j'étais j'ai cru ça, et j'ai été un particulier, il n'y a pas plus cupide et avare qu'un particulier au final. Le premier à dénoncer finalement la haute finance. Ben, ces petits particuliers, ils vont se dire « Ah ben mince, moi j'ai pas acheté Bitcoin il y a 2 mois parce que c'était à 10 000 et moi j'étais en train de le shorter parce que je pensais qu'il allait disparaître, etc. » Ok, qu'est-ce que je vais faire pour devenir riche quand même très vite? Ah ben je vais essayer de me dire qu'il y a peut-être un prochain Bitcoin. Bon, ça c'était la thèse précédente. S'ils pensent encore ça, dans l'œil. Et voilà, ils vont se dire ben, « On va essayer de parier sur des choses de moindre qualité. » Pour devenir riche rapidement. Ils savent que les alts, elles font x10, x20, ils connaissent toutes ces histoires-là.
Et donc, ils vont investir sur le marché des mid-small cap. Là, c'est vraiment un marché qui est compliqué parce que il y a des bons projets, il y a des très mauvais projets. Et ils sont tous en train de fluctuer de la même manière. Et pour tirer son épingle du jeu, c'est un peu compliqué de discerner les bons et les mauvais projets. C'est un marché vraiment piégeux. Alors oui, ce sera un moment pour sortir des altcoins shitcoin. Voilà. Si ce n'est pas vous qui le faites, bah vous allez juste voir les autres le faire et après vous pouvez décider de ne pas participer. Regarde, vous allez faire des profits énormes déjà sur des caps, des projets légitimes. Si vraiment vous êtes avare, avide, vous pouvez encore aller là-dedans, mais ça, voilà. Parfois, le risque n'en vaut pas le bénéfice. Vous avez de la chance au grattage, eh ben vous tomberez sur une bonne coin. Je ne crois pas qu'il y aura un dump définitif d'altcoin, parce que je pense qu'il y a une énorme encore plus-value, encore non connue, sur les tokens, les services économiques liés au transfert de tokens financiers ou de tokens crypto. Alors ça, c'est un peu un point, là, je vais essayer de vous amener dans cette considération. Si, prends un exemple, l'or vaut 10 trillions actuellement, 9 ou 10 trillions, encore aucune société connue cotée qui vaut plus de 2 trillions. Ok. Et si on rassemble les plus gros indices, les plus grosses capitalisations boursières, on dépasse largement les 10 trillions du. En fait, ce que je pense actuellement, c'est qu'on a Bitcoin qui est l'or crypto. Il fonctionne et il a un succès. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Lindy Effect. Lindy Effect, je vous conseille de googler un peu ce que c'est. Probablement, la seule mission que Bitcoin devait faire, c'était de continuer d'exister, d'exister, d'exister. Et à exister, eh ben, il continue d'attirer de la valeur et de l'attrait. C'est le Lindy Effect. Au plus quelque chose subsiste dans le temps, au plus il aura de chances de survie. Donc, Bitcoin, grosso modo, là, sa thèse d'investissement, thèse financière du token, le Lindy Effect. À partir du moment où il a existé plus de 10 ans, eh ben, il y a eu Paul G. Tudor qui s'est dit, tiens, je vais essayer de bet contre une inflation, ce qu'il veut, hein, moi je ne sais pas s'il a raison, il s'est dit, ben voilà, je vais investir dans le Bitcoin. Il ne l'aurait jamais fait si Bitcoin avait 2 ans d'existence, il ne l'aurait pas fait s'il avait 5 ans, 6 ans, il a fallu qu'il y ait un moment propice à un moment donné, peut-être lié à la crise du Covid, etc. Ben voilà, maintenant il existe et il est... attirer la valeur, voilà, il continue d'attirer la valeur. Donc Bitcoin, lui, c'est l'or crypto, et pour l'instant, on n'a pas encore les services économiques, on n'a pas encore les grands Amazon, on n'a pas le futur Netflix crypto. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, on a la réserve de valeur, elle est énorme, comme l'or, c'est énorme, il n'y a pas aucune entreprise n'arrive à sa cheville. Et petit à petit, les entreprises ou les services, les protocoles de services, que sais-je, se développer vont avoir une certaine market cap. Petit à petit, peut-être que l'un d'entre eux va dépasser Bitcoin. Ça, j'en doute. Mais certains, une somme cumulée de services naissants ou de services encore inconnus vont dépasser la cap Bitcoin, aussi haute soit-il à un moment donné. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un dump définitif sur les altcoins. Ce serait jeter l'eau avant de l'avoir tué. Par voilà, il faut pas être riche, arrêter d'être riche sur les crypto, ouais, les gars. C'est tout, acheter ce qui monte, pas besoin d'essayer de penser à vendre. Vraiment désolé pour être aussi cru et de donner un conseil financier aussi exceptionnel. Pensez juste à acheter, voilà, c'est tout, et ne commencez pas à essayer de deviner des points de vente, ou alors c'est que vous êtes en train de faire des achats de vous regardez qu'ils n'ont pas d'avenir, mais ça, faites peut-être le travail en amont et évitez peut-être d'être dans ces projets-là. Alors, une question ici. La signification
Bah voilà, donc petit dinner. Donc, il a du mal à donner un prix Bitcoin, si je comprends bien. Et il dit que bah, voilà, c'est comme l'or qui est purement spéculatif. Bah, oui, voilà, Bitcoin n'a que la valeur qu'on est prêt à lui donner, tout comme l'or. Je veux dire que c'est un métal qui est doré, c'est très beau, on en a parfois à nos montres. Pourquoi lui donner la valeur? C'est purement dans, au regard de ceux qui le détiennent ou veulent le détenir. Pour le Bitcoin, c'est vraiment pareil. Il n'y a pas de raison fondamentale qu'il vaille autant d'argent. Il ne produit rien. Il ne produit pas de bénéfices. Donc, il n'y a pas de raison de le détenir, si ce n'est que c'est une allocation de portfolio, de patrimoine. C'est un pari spéculatif, oui. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot comme l'or. Et malgré tout, c'est important de voir s'il y a un certain usage quand même. Usage, ça ne veut pas dire que le Bitcoin pourrait valoir beaucoup moins avec un usage beaucoup plus important. Pas de corrélation directe. Et je pense que si on collecte un maximum d'indices qui montent, ça c'est toujours mieux pour essayer de soutenir cette stipulation au sens premier sur qu'est-ce qui pourrait arriver plus tard sur le Bitcoin. Et c'est pour ça que les gens sont dans le Bitcoin actuellement. Parce que que le secteur est sous-évalué. Voilà, je pense que là on a une question. Est-ce que toi tu as une remarque ou une question éclairée au final? Tu as toujours des interventions très pertinentes. Au final, qui essaie de retrouver son micro? Je l'ai trouvé. Non, non, à part parler à la liste, parce que maintenant, je n'ai pas d'autres questions. Je suppose que dans la... Répondre à... Il y en a peut-être qui en ont, n'hésitez pas, c'est le moment. À P2SH. L'or a une propriété d'être inaltérable. Alors, je vais quand même vérifier la définition d'inaltérable. Il y a des métaux inaltérables. Il y a des métaux inaltérables. Je vais te l'apprendre. Un métal qui est hyper inaltérable, c'est l'aluminium. Pourquoi? Parce que l'aluminium, en fait, couche superficielle, ce n'est pas de l'aluminium, ce n'est pas du Al, c'est du AlO2 ou AlO, je ne sais plus exactement la formule, c'est de l'oxyde d'aluminium. En fait, l'aluminium, dès qu'il touche l'air, il est oxydé, voilà, instantanément. En fait, il y a des métaux qui sont inaltérables. C'est très solide, en fait, cette couche oxydée d'aluminium, c'est cette couche brillante connue de l'aluminium. Inaltérable. Donc, c'est pas que l'or est inaltérable, on s'en fout. Il y a d'autres métaux qui sont bien plus supérieurs, en fait. Ça. Bon. La valeur de l'or financière, là où on fait le point entre la différence entre valeur intrinsèque physique de l'or, ok, il est conductible, machin, il est malléable. Mais, la valeur financière, c'est différent. Et pourquoi l'or a de la valeur? Parce que les banques centrales en détiennent. C'est-à-dire des rares actifs. C'est-à-dire de très très rares actifs mis à part des devises détenues par des banques centrales. C'est tout. Et alors du coup, par mimétisme, les gens en achètent aussi, et les family office en achètent, et les fonds en achètent aussi. Donc l'or n'a pas une propriété magique qui justifie son prix exorbitant hein, de 9 trillions. C'est juste qu'il est détenu par les banques centrales. Alors moi, je pense qu'à un moment donné, banques centrales vont détenir du Bitcoin. Mais ça, c'est vraiment, alors là, c'est le endgame, c'est le CME puissance 1000. Hein. Qu'un jour, le Bitcoin soit détenu à côté de l'euro, dollar, franc, suisse, yen, or, pas des Bitcoins. Je pense que ça, c'est vraiment peu probable, mais pas débile.
justifie une valeur aussi déconnante. Alors, oui, banque centrale à pays arabe, ben oui. C'est plutôt un fonds souverain, je ne sais pas. Que ce soit une banque centrale. Maintenant, je ne prends pas beaucoup de risques parce que je suis persuadé qu'en fait, c'est simple, il va y avoir une banque centrale caraïbe qui va en détenir. C'est quasiment certain, il y a Nil. Nil dans les Caraïbes, très petite, a émis son monnaie token, en fait, tu vois. Il suffit qu'ils fassent une petite update de leur système et ils accueillent le Bitcoin, quoi. Donc, iranien, ok. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'un jour, ce soit un pays libre aussi, tu vois. Et libre, non fondamentaliste, donc libre de sans plus Berlin. Un pays qui croit à des contes de fées. Un pays libéral va l'accepter, c'est certain. C'est non certain. Pas un gros pari. Et voir, c'est un avis très probable. Bon, on voit un cycle. Hein. Qui sont les plus aventureux? C'est d'abord les gens avec leur argent, hein, et l'argent de la famille. Et ça s'appelle les family office. Et c'est les premiers qui ont acheté des bitcoins. Arrive maintenant, et c'était tout récent, je ne comprends plus sur le nom, c'est Mutual quelque chose. Un fonds américain qui fait du fonds de pension, c'est-à-dire vraiment le truc. Et juste des tiers d'actifs qui ont 234 milliards et eux ont acheté 100 millions de bitcoin, 100 millions de dollars de bitcoin. Et voilà, il y a un spectre comme ça. D'abord, c'est les investisseurs particuliers. Ensuite, les riches, les networks individuals. Après, les family office, groupe en famille en général, family office. Après, c'est les banques privées d'affaires. Après, ce seront les banques. Après, les fonds de pension. Peut-être l'inverse, plutôt les fonds de pension et peut-être les banques après. Et puis après, on aura les banques centrales. Mutuelle, voilà, merci pour le nom. Donc, on est surtout une thèse très. Enfin, thèse que moi je dis depuis longtemps. Hein. L'argent, c'est pas les millions de Français et les millions d'Américains et les 3 millions de Chinois. Quoi, ça qui fait l'actif, quoi. Tout actif financier, un peu comme l'aluminium, qu'il apparaît à l'air, il est oxydé. Ben, tout actif financier, dès qu'il est pertinent, dès qu'il est pertinent et liquide, ben, il est accaparé par les gens dont c'est le métier. Voilà. Et c'est eux qui font le prix, c'est eux qui investissent et désinvestissent. Alors je ne dis pas qu'ils font le prix au sens manipulation, je dis qu'ils font le prix par la conséquence de leur agissement. Et la particularité est très chère aux bitcoiners depuis des années, mais je suis un peu désolé. Non, c'est une monnaie communautaire et c'est la communauté qui vont décider de ce qui va se passer. Je suis désolé. Très bien pour le côté technique. Organique et sociétal de l'organisation de Bitcoin, dès qu'on parle du Bitcoin petit b actif financier, dès qu'il touche le marché financier, c'est impossible qu'il échappe comme ça, parce qu'on a décidé dans sa constitution, dans son ADN, décider que ce n'était pas pour le marché financier, non, voilà, dès qu'il touche le marché financier, bah, il va suivre les mêmes règles. J'ai une remarque. Bon, alors oui, donc le fondamental ne permet pas d'expliquer un prix. Ça, c'est ce qui était au point de ma vidéo. Alors je t'ai signalé un petit truc, c'est que j'étais malade, grippé pendant la vidéo. Donc je la referai un peu de manière un peu plus punchy et à un moment j'ai un peu parenthèse fermée. C'est que prix et valeur n'ont rien à voir. C'est-à-dire que les fondamentaux permettent d'estimer une valeur, de se dire est-ce que le Bitcoin a plus de valeur hier, enfin plutôt en 2020 qu'en 2017? Oui, certain, voilà, ça a plus de valeur. Mais ça ne veut pas dire que son prix sera plus cher. C'est très important à comprendre ça. Le prix répond à des critères. Marché financier. Et je vais te faire une petite parenthèse avant. Même si la valeur augmente au fil du temps, le prix peut baisser et baisser et baisser fortement. Et puis, il se retourne et il augmente très fort.
Il ne faut jamais essayer de comprendre un actif, une société cotée en bourse, sur base purement de fondamentaux. Alors, c'est un écueil, c'est que les gens veulent que tout s'explique facilement. Donc les gens vont essayer de se dire, Apple sort un iPhone 14, iPhone 14, eh bien, ah ben, l'action Apple va augmenter. Ben, ils oublient complètement, mais non, il y a eu un crash Covid, ça a eu des répercussions financières, il y a des banques centrales qui sont mises, il y a peut-être une pandémie en Chine, il y a peut-être des producteurs, il y a énormément de choses à comprendre. En plus, les gens vont préférer l'or aux actions, donc ils vont vendre des actions, alors que l'iPhone 14 est meilleur. Mais non, mais l'action, elle baisse, parce que voilà, il y a énormément de plus conjoncture financière. C'est un point, voilà. Essayer de comprendre la valeur du Bitcoin, c'est débile. Voilà. Lier les fondamentaux et le prix, c'est une occupation vaine. Donc Jean-Luc dit, pour l'Iran et tous les pays sous embargo, ça fait sens d'avoir un moyen d'échange non censurable. Alors moi, je mets un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il n'y a jamais eu des échanges économiques entre États ou sociétés souveraines? Grosse question. Franchement, moi, je n'achète pas du tout ça. On parle tout le temps de ces histoires de briques, etc. Vous savez, l'association Brésil-Russie, Iran, je ne sais pas quoi. On nous en fait des pataquès repris par tous les bitcoiners depuis longtemps. Le fait est là, le dollar est plus dominant que jamais. Même si le BRIC, soi-disant, était censé changer l'équilibre mondial, que sais-je, ou les fameux futurs, hein, ça je revois tous les 6 mois, le pétrole sera tradé en rouble et je ne sais pas quoi. Alors, bien, hein, moi, je soutiens la diversité, il n'y a pas de souci. Les faits sont que non, le dollar est de plus en plus utilisé, et les gens ne veulent pas utiliser du rouble. Voilà. Moi, ces annonces-là de embargo, etc., je n'y crois pas du tout. Pas du tout, et certainement pas des échanges avec un produit hyper volatile. Voilà. Les échanges, ils sont sur des contrats. Les contrats, ils ont des durées de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ils vont mettre une variable, on va se payer en palladium. Quoi. Ça n'a vraiment pas de sens. Bon, alors, contrat futur sur l'eau, non, j'ai pas d'avis. Voilà. C'était 1 heure, je pense qu'on a fait un grand tour. J'espère que ça va conclure. 1 heure. On peut effectivement, Mathieu, conclure sur ça. Je te remercie beaucoup. Désolé. La qualité était bonne. Désolé pour essayer des coupures. Bonne question à tout le monde. Et donc moi je pense que c'est le début d'un cycle là. Après, attention est toujours possible qu'on revienne plus bas, hein. Mais bon, il ne faut pas pour autant croire que c'est la fin. Le mot d'ordre, c'est tant que la tendance n'est pas invalidée, il n'y a aucune raison de penser que c'est fini. Voilà. N'essayez pas de dire que si le mois prochain on est à 18 000, ça ne veut pas dire que c'est fini, moi, les gars. Voilà. Juste preuve de bon management de risque, voilà. De bonne gestion de risque. En effet, si on est à 18 000 le mois prochain, ben peut-être prenez des bénéfices, prenez des profits ou prenez vos pertes et essayez de mettre un peu moins le grip sur Bitcoin de quelques instants. Voilà. Je pense que on est là face à, pour moi, beaucoup d'indices qui font qu'on va avoir une multiplication du prix et essayer de tirer l'épingle du jeu. Voilà. Chance à tous. Moi, je me souviens d'un meet-up Phil, c'était en juin 2019, un an et demi, où on avait célébré le nouveau bull market qui, dans les faits, est vérifié, parce que on avait en effet, donc je l'avais montré au début, sorti la tendance baissière était derrière nous. En avril, on avait fait une cassure des 4000, on était passé à 5000, et en juin, on était là, on avait célébré le bull market. En effet, ça s'est vérifié, mais en juin, on était à 12 000 et on a retraversé 6 mois de disette pour entamer 6 mois plus tard l'année 2020 à 6 000 dollars. Donc, on était de 12 à 6 000. On a célébré le bull market, qui est toujours là, qui est toujours là aujourd'hui. Mais on peut se prendre des moins 50%. Ça peut arriver, et ça arrivera. Voilà. Donc, attention quand même, les gars.
ici, il y a eu beaucoup de conseils haussiers. Sur 6 mois, le marché peut complètement vous retourner et vous sortir du marché ou vous occasionner des pertes. Donc, faites gaffe quand même malgré tout. Je pense que c'est inéluctable qu'on ait une multiplication du prix. Je ne connais pas moi le chemin et personne ne peut le prédire. Je veux juste vous dire que ça va, ça peut bouger évidemment à la hausse, mais à la baisse aussi. Voilà le mot de la fin. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Donc le meet-up est officiellement clôturé. Si vous voulez rester pour discuter, évidemment, c'est avec plaisir. On peut donc aussi aller juste en dessous dans le salon Seven Bar. J'entendais Phil en mode Robocop, je passais par la connexion. Ben, merci beaucoup les gars. Je peux encore un peu parler là, ici. Il y a encore quelques questions. Être holder, c'est pas la bonne stratégie. Ben, en fait, c'est pas opposable. Hein. C'est-à-dire que tu peux être holder et faire d'autres stratégies. Il n'y a pas de pas binaire, tu peux composer. Donc, moi, je conseille toujours. Un exemple concret. Beaucoup de connaissances ou d'amis parlent de Bitcoin. Je dis, ou veulent en apprendre plus, ou sont intéressés, ils disent c'est génial, mais voilà. Je leur dis d'abord, ben, achetez. Parce que si on reporte le moment où vous allez acheter, d'abord que je vous explique, que vous compreniez, etc., on est là encore dans 2 ans, et j'ai un cas concret. Moi, j'ai une personne aujourd'hui à 20 000 dollars, il m'avait parlé du Bitcoin, il était intéressé à 500 dollars le Bitcoin en 2015. Il n'a toujours pas fait quoi que ce soit. D'abord, je donne un conseil, le secteur est sous-évalué. Donc, si vous voulez, vous achetez un petit peu et vous le holdez. Après, vous faites d'autres stratégies si vous voulez. Alors, ou vous faites que du holding, c'est pas opposable. C'est-à-dire que c'est pas un état d'esprit. Être holder, ça ne veut pas dire me ferme à tout. On peut se dire. Un tiers de mon investissement n'y touche pas pendant X années. Voilà. Et oui, c'est très performant. Le holding en général, sur les 2/3 où vous allez essayer de faire des expérimentations, vous n'allez pas battre finalement le holding, vous allez plus perdre des bitcoins plus du temps. Et être holder, c'est la manière, la tendance est haussière, mais c'est pas un état d'esprit, faites gaffe. Et voilà, merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser. J'ai encore souper à prendre et des enfants à mettre au lit. À bientôt. Merci Mathieu, à bientôt. Et au revoir, ciao.